Il y a des fois, il y a des matins, je me lève, je me dis, aujourd'hui, si on avait un référendum, on gagnerait un référendum. Mais vous savez, il y a différents autres éléments qui, pour un certain pourcentage des Québécois, fait changer d'idée au gré du vent. Il va falloir construire, affirmer leur estime d'eux-mêmes, parce qu'il y a quelque chose d'être fier d'être patriote. Il y a quelque chose d'être fier d'être indépendantiste. Il y a quelque chose d'être fier de participer à cette marche. Cette marche qui va aboutir un jour, dans combien de temps, je ne peux pas vous le dire, mais elle est proportionnelle aux efforts qu'on va y mettre. Donc, à ceux qui se sentent désabusés, qui se disent « je ne verrai pas l'indépendance du Québec avant la fin de mes jours », ben, je dirais « arrêtez de penser à ça. Marchez avec nous. Faites l'effort. Ayez un deuxième souffle et allez de l'avant. » Donc, c'est ce que je souhaite à tous, jeunes, moins jeunes, un deuxième effort. Vous savez, course annelée, ça se gagne avec quoi? Un deuxième effort. Un pays, ça se gagne avec un effort constant. Et lorsqu'il y aura l'âge, ça prend un deuxième effort. Donc, marchons ensemble pour l'effort ultime d'un pays, l'indépendance du Québec. Merci. Pour le discours qu'il vient de faire. Puis c'est vrai qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est pas juste le RRQ, même que c'est peut-être dans une moindre proportion, parce que c'est toute la famille indépendantiste de l'Estrie, en fait, qui est là aujourd'hui, de tous les mouvements souverainistes et indépendantistes en Estrie, puis il y a des membres et des militants de d'autres partis politiques. Et puis c'est de gauche à centre-gauche. Donc, on va se diriger juste à l'autre coin de rue, là-bas. On va faire une levée du drapeau des Patriotes. Oui, le Patriote qui tient un fusil. Et puis, en même temps, pendant que le drapeau va lever, on va chanter « Gens du pays » ensemble. C'est une suggestion, si ça vous tente. Donc, on va essayer que ça n'a pas l'air trop fou, en espérant qu'il y ait assez de vent. Donc, on s'y rend en avant. On y va. Capable de broyer, mais je le ferai, moi je trouve ça bien beau.